Ça marche. Les mecs, ils sont venus à leur sac. Qui ont également joué un rôle important au sein du club, auquel ils ont beaucoup apporté et que l'on ne doit pas oublier. Tout d'abord, Henri Gély, le créateur. Que n'a-t-il pas créé à Salène? Gély, un personnage hors du commun. Ensuite, Roger de Malavas, l'un des premiers champions du Gard salénois dans les années de 1950, le papa de notre élu Régine. Gérard Bérard, qui lui aussi s'est beaucoup investi, notamment auprès des jeunes. André et Cyril Puertas, Christian Mouton, Christophe Rivinque. Écoutez, je veux vraiment vous dire quel est notre plaisir, et c'est pour ça que nous sommes à deux, puisque nous présentons à la fois Étienne Malachan tous les deux, et puis j'ai aussi le plaisir de représenter Carole Delia. 90 ans pour un club, c'est évidemment un temps très important, vous venez de le dire, et c'était important de rappeler les différentes étapes comme Gérard vient de le faire. Je veux juste vous dire en quelques mots les fiertés qui sont celles de Salindres et évidemment aussi de la région. La fierté d'avoir un club qui a cette expérience et cette ancienneté qui a su, au fil des ans, traverser toute cette histoire, et c'est évidemment un point très important. Beaucoup de fierté aussi, ça a été indiqué tout à l'heure, d'avoir d'illustres licenciés présents aujourd'hui, et c'est évidemment un plaisir qui rejaillit sur l'ensemble du club, mais aussi de la ville. Beaucoup de fierté aussi parce que c'est un club, et ça a été indiqué tout à l'heure, Monsieur le Président, qui investit beaucoup dans la formation, qui investit beaucoup dans le travail avec les jeunes, qui investit beaucoup dans la volonté de transmission, et ça fait partie des éléments auxquels nous sommes très attentifs, parce que ça fait partie des valeurs du sport auxquelles nous tenons beaucoup. Et puis, beaucoup de fierté aussi parce que c'est un sport individuel, mais vous avez su au fil des ans, dans le club, travailler avec un grand esprit d'équipe, travailler avec une grande volonté du collectif. Et c'est pour nous aussi une marque importante qui donne envie de continuer, qui donne envie de poursuivre.
Donc, vraiment bravo à toutes celles et tous ceux qui, au quotidien, créent des conditions pour que cela puisse fonctionner. Bravo à tous les bénévoles, bravo évidemment à tous les sportifs. Et puis, comme le dit la chanson, rendez-vous dans 10 ans. Importante et je trouve ça vraiment très honorifique. Donc moi, aujourd'hui, je vais m'adresser particulièrement à Christophe, qui est à la tête du club depuis maintenant 12 saisons. Toujours pongiste dans l'âme, il ne joue plus car des problèmes de dos le tiennent écarté des aires de jeu. Néanmoins, il a joué au niveau régional en championnat par équipe lors de ses plus belles années pongistes. Christophe a repris le club lorsque l'équipe première était en Régional 3. Notre équipe première atteignait en 2019 la Nationale 2 et oscille désormais entre la N2 et la N3. Le club compte désormais 11 équipes, dont une nationale et 5 régionales. Christophe est l'artisan de cette progression exceptionnelle. Sa volonté et son charisme ont fait de lui l'architecte d'un projet ambitieux. Faire évoluer le club jusqu'au niveau national et promouvoir la formation des jeunes joueurs. C'est chose faite. Dans la grande majorité des équipes, nous avons des jeunes et moins de jeunes formés au club. Que ce soit la nationale, les deux pré-nationales, les régionales et les départementales. L'équipe première est la locomotive du club et c'est aussi une source de motivation pour les jeunes licenciés. La formation salinoise est à l'honneur pour cette fin de saison car deux de ses pensionnaires formés au club, Rémi Pralon Junior 4 et Jules Laplante Cadet 1, participeront au championnat de France par classement fin juin à Barjouville dans l'Eure-et-Loire. Christophe possède toutes les qualités du dirigeant associatif dévoué pour son club, toujours disponible, attentif à l'état de ses troupes et bienveillant à l'égard des licenciés, à l'écoute et ambitieux. Cette ambition, il la diffuse aux autres bénévoles du club et les résultats de cette dernière décennie sont le fruit de son engagement quotidien. Attaché à l'histoire du club, il lui a paru naturel d'organiser cette journée anniversaire pour rendre hommage à ceux qui ont construit le club et à celui qui a été champion du monde, Jean-Philippe Gassier. Je suis là depuis plusieurs années et sans arrêt on me parle de Philippe, on pose des questions. Donc, comme il n'est pas là, c'est moi qui réponds pour lui. J'espère que je ne dis pas trop de bêtises et comme personne ne peut me contredire, c'est un plaisir et je peux raconter un peu ce que je veux. Donc j'aurai une question sur laquelle je ne réponds jamais parce que je n'ai pas la réponse. Philou, vas-tu porter le maillot de Salindres pour un match un jour? Qu'est-ce qui se passe si je dis non? Il faut qu'on parle des conditions, tout ça. Laurent, oui, je n'écarte aucune hypothèse. Et, si ça doit être un service rendu pour le club, j'ai été très touché par l'historique là, de Gérard, par les mots aussi de Christophe. Et de voir à quel point mon parcours a été associé à l'histoire de ce club. Donc, c'est peut-être un scoop aujourd'hui, mais oui, le maillot de Salin pour un match, why not? Pourquoi pas? Avec plaisir. Le meilleur a évolué en première division, mais en tout cas, je garde beaucoup de souvenirs de ces 8 années. C'est là, quelque part, que je me suis un peu construit aussi autour de ce sport que j'aime tant et autour des gens et de l'amour et de la passion qu'il y avait dans ce sport. Et quand un club a 90 ans d'existence, et quand on entend tout ce qu'on a entendu de la part du président, de Gérard, des élus, on voit à quel point ce club marque aussi le département. Et je me réjouis de voir qu'il y a énormément de jeunes aussi licenciés. Et je suis très très fier que mon parcours soit associé à ce club. Vous pouvez le constater, c'est en noir, soit avec un rythme
Merci.